Hey, what's up, c'est Steph, comment allez-vous? Prends part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et un tout nouveau commentaire. Et comme vous l'avez vu dans le titre, et frérot, ça se passe à l'arme de mêlée cette fois-ci. Donc avec le cambrioleur qui est une nouvelle arme de mêlée que je viens d'avoir il y a pas longtemps. Donc voilà, une petite arme de mêlée tranquille. Je vous ai sorti la nucléaire avec les frérots. Donc voilà, voilà un petit gameplay tranquille. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc vous verrez qu'au début, voilà, on est un peu dans les coins et tout. On temporise un peu, mais les gars, il n'y avait pas d'hater. Et vous verrez que dès qu'il va avoir l'hater, je crois qu'il sera été mis par agonie. Je vais beaucoup plus rusher les potes, on va direct. Voilà, la nucléaire est quand même assez rapide pour une arme de mêlée. Une nucléaire en 5 minutes, les gars, ça va, c'est quand même assez rapide. Donc il y a des kills avec comment s'appelle le spécialiste, le couteau, on va dire. Mais voilà, c'est quand même, voilà, le spécialiste que j'ai, les gars, c'est un couteau en fait. C'est quand même un couteau, un peu un commando d'MW2. Donc ça compte quand même comme le couteau. Après, voilà, chacun fait son avis. Il y en a qui vont peut-être trouver, voilà, que c'est n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous trouvez que c'est n'importe quoi, ben vous le trouvez. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Donc les gars, franchement, n'hésitez pas à mettre un gros like pour ce gameplay. Il m'a pas mis beaucoup de temps, hein, sans vous mentir. Je l'ai mis la première game de la journée. Je suis rentré, j'ai mis ce gameplay. Donc voilà, un petit gameplay assez tranquille. Ça se passait dans la map combine, même si je déteste cette map. Je sais pas pourquoi, elle est appréciée par tout le monde dans la communauté, mais moi je la déteste. Je ne peux pas voir cette map, j'arrive pas à faire des gameplays dessus, ni de gros massacres. Après, pourtant, elle est bien aimée par tout le monde, que ce soit les joueurs desserto, que ce soit les joueurs perf ou même les joueurs normaux, elle est vraiment aimée. Mais moi, je ne peux pas cette map, je ne peux pas, les gars, elle est vraiment horrible. Donc, vous verrez qu'au début, les gars, les ennemis me tryhardent vraiment un truc de malade. Il y en a surtout deux avec le pompe qui me tryhardent. Et au fur et à mesure du gameplay, vous verrez qu'ils sont un petit peu partis, moi un peu oublié. Donc, moi, ça m'a quand même sauvé la vie qu'ils m'oubliaient car ils m'auraient tryhard tout le long. Comme ils le faisaient au début, je pense que clairement, ils m'auraient eu en brutal, j'aurais quand même pété un gros câble. Et non, en fait, c'est moi qui ai sorti le premier hater. Donc quand même, on sort le premier hater au couteau, on est un petit peu chaud, on est un petit peu chaud, les gars. Donc ouais, vraiment, le gameplay est quand même agressif. Vous verrez que dès que je vais avoir l'hater, les gars, voilà, on va commencer à beaucoup plus courir dans la map. Donc oui, je voulais vous dire, avant que beaucoup de gens crient au scandale, il y a beaucoup de kills au C4. Les gars, le C4, écoutez, vous faites ce que vous voulez. De base, je voulais plus tenter une nuque au C4 qu'une nuque au cambrioleur. Au début, je voulais tenter une nuque au C4, juste faire quelques kills au cambrioleur, mais c'est plus parti à une nuque au cambrioleur et quelques kills au C4. Après, c'est pareil, hein, je suis quand même content de ce gameplay. Bon, les gars, aussi pour ceux qui me disent que t'as pas mis C4 dans le titre, et les gars, j'allais quand même pas mettre nucléaire au cambrioleur plus C4, c'est quand même vraiment complètement con. Donc je mets nucléaire au cambrioleur ou alors nucléaire au C4. Et vu que nucléaire au C4 c'est un plus gros gameplay que nucléaire au cambrioleur, je préférais mettre nucléaire au cambrioleur. Sinon voilà, ça allait quand même, voilà, ça allait quand même un peu insulter. Je le sens bien venir que ça allait beaucoup insulter parce qu'il y a quoi, il y a 10 kilos C4 à peu près, donc c'est pas non plus énorme, hein, faut pas non plus, voilà, il y a 10 kilos C4. Vous, à mon avis, que vous faites une nucléaire à la KN, les gars, vous en faites au moins 15 à la faux. Donc dans le titre de votre vidéo, vous mettez pas nucléaire à la faux plus KN. Voilà, donc je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Je pense que sur le coup, les gars, on est tous d'accord. Donc on est en impitoyable. Je vais vraiment pas beaucoup de trucs à dire pour ce gameplay. Pour ma classe, bah, c'est très simple. J'avais juste le cambrioleur. On a tout. J'avais pillard pour les C4 et les charges électriques, qui est quand même le truc le plus important. Masse tactique, parce que voilà, les gars, vous prenez énormément de grenades, et la plupart du temps, vous mourrez à cause de ça. Vous mourrez, voilà, à cause d'une grenade tactique. Donc franchement, je vous conseille vraiment de mettre masse tactique. C'est le truc le plus important pour moi avec pillard. C'est vraiment les deux trucs les plus importants. Donc vous verrez que pendant cette série, j'ai vraiment été le labo. Clairement, c'est le seul endroit dans combine où on peut se mettre un labo, les gars. C'est vraiment l'endroit principal où on peut se mettre. Il n'y a pas d'autre endroit. Même le bâtiment d'en face, là où je suis, même le bâtiment près de A, il est vraiment beaucoup moins sûr. Donc là, j'étais dans la merde, les gars, j'étais dans la merde. Je me vois un peu là, je le gameplay sous les yeux en même temps que vous. Je me regarde, il y a un moment, je me suis tiré dessus par un pont. Donc clairement, j'ai failli fail ce gameplay au moins 10 fois, mais on a réussi à le faire. Et je pensais pas le faire, franchement, je pensais pas le faire, parce que les nucléaires aux armes de mêlée, c'est le truc avec quoi j'ai le plus mal, clairement. Je déteste faire du nucléaire aux armes de mêlée. Je trouve ça ennuyant, en fait. Voilà, moi, j'aime bien être un mec qui est dans le spawn avec tout qui pète, voilà, des beaux gameplays. Voilà, tout qui pète, des grosses feeds, etc. Et des nucléaires aux armes de mêlée qu'il faut rester dans des coins, c'est vraiment pas mon truc. Donc à la base, je tentais la double, mais il faut vraiment être en liaison. Et je pense vraiment la mettre en liaison. Enfin, ça doit pas être très très dur de mettre une double nuque au couteau en liaison. Enfin, très très dur, c'est quand même très très dur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un gros gameplay, pour un world first, je trouve pas ça très très dur. Donc je pense vous le faire, si vraiment je le tryhard, ça doit être vraiment moins dur que ma double nuque au snipe en demi. Mais voilà, si vous voulez vraiment que je le fasse, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et ça me motivera à le faire, peut-être. On verra bien. Donc aussi, les gars, je fais un gameplay au sniper tout à l'heure. Donc une nucléaire en 3 minutes dans Redwood. Donc vraiment, si vous voulez voir les deux gameplays, je vous dis, les gars, n'hésitez pas à mettre des gros likes. Ça me ferait super plaisir. Au moins d'atteindre au moins 130, 140 likes en ce moment. Je pourrais jamais autant vous remercier. On fait plus de 1000 vues par vidéo.
C'était vraiment mon objectif principal sur YouTube et on l'a réussi. Et quand voilà, tu as un objectif aussi gros sur YouTube et que tu le réussis, bah c'est tellement bien, les gars. C'est tellement bien. Je suis tellement content. Donc, je vous remercierai jamais assez. On augmente de ouf. Donc, ça me fait super plaisir. On arrive sur la fin de ce gameplay. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros like, à partager, à commenter la vidéo. La nucléaire va bientôt arriver. Il me semble que c'est le kill. Voilà, la nucléaire. Ça fait super plaisir. Bref, c'était Stéphanois. Comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo un max pour qu'on augmente notre communauté. Allez, salut tout le monde. Peace. Il me semble qu'il y a quelques invincibles. Bref, on va arrêter de blablader. Allez, salut tout le monde. Peace.